Et salut à tous et à toutes, c'est Sam, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel unboxing de la Dégustavox du mois de janvier. Pour m'accompagner pour cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Mrs. Sam. Comment ça va, Mrs. Sam? Ça va bien. Ça va bien. Parce que moi, quand c'est des box de manger, j'aime trop. Ah, tiens donc, comme c'est bizarre. Donc bien évidemment, pour commencer, on a le petit fascicule, je vais pas regarder ce qu'il y a dessus. Bien évidemment, je sais déjà qu'il y a des pâtes, des lasagnes. Donc, mais on va pour l'instant s'abstenir de regarder ce qu'il y a sur le petit papier. On va ouvrir, bien évidemment, comme d'habitude, délicatement la box et commencer à découvrir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'il va y avoir du chocolat. C'est pour moi. Certainement. C'est pour moi. Je pose un. C'est du je pain. Je pose mon option sur le chocolat. Ah bah voilà. Tiens non. Pour commencer, on a du pain. Ouais. Du. Recette de Céliane. Pain campagnard aux graines. Ah, ça, tu vas kiffer, toi, ça. Ah ouais, c'est bon, ça. Ouais, je pense que tu vas kiffer. Pour le petit déj ou autre, ouais. Alors aujourd'hui, on va pas trop goûter. Pourquoi est-ce qu'on va pas trop goûter? Parce qu'en fait, on sort de table. Et en fait, le livreur nous l'a livré juste au moment où on est sorti de table. Donc, voilà. Du coup, on va pas trop goûter. Et sauf s'il y a vraiment des trucs qui perdent les choses. Ouais, genre un petit bout de chocolat, bon. On verra, on verra. Donc, voilà, donc du pain de campagne. C'est bien. Aux graines. C'est pas mal. Pour commencer. Donc, histoire de tuer le suspense, hein, des lasagnes. Super. Voilà, il nous l'avait. Enfin, bon, j'avais vu vite fait rapidement. 20 minutes de cuisson quand même pour des lasagnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as des boutons? Non, en fait, je me suis fait attaquer. Par une araignée? Certainement par une araignée. Mmh. Elle s'est fait super plaisir un petit peu. Est-ce qu'elle t'a mangé des cheveux aussi, j'ai l'impression? Elle m'a mangé un petit peu ouais, aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais je me suis fait piquer, mais absolument partout. Elle est méchante. Bon, pas partout, hein. Vilaine mais bébête. Je me suis fait couper. Je me suis fait piquer vraiment dans des zones improbables. C'est terrible. Donc, elle s'est fait hyper plaisir. En fait, c'est parce que ça faisait longtemps qu'elle m'avait vu. Du coup, bah voilà. Elle t'aime. Elle m'aime. Bah oui. Elle m'aime. Ensuite, bon, pour l'instant, c'est pas vraiment des trucs pour soja, moi. Soja, super bon pour voilà. Moi. Donc, ouais. Super. Miel et amandes, non. C'est quoi? C'est du lait? Ouais, du lait de soja. Boisson, plaisir au soja, miel et sarrasin. Ah, sarrasin, d'accord. Voilà. Et puis, c'est pas lire. Hein. Bah non, mais j'avais pas fait la petite. Les animaux. Ah ouais, non, mais ça doit être bon. C'est possible. Ouais, non, mais moi j'aime beaucoup ça, le lait de soja. C'est quoi du sarrasin? Je connais les sarrasins, tu sais, comme genre en mode les visiteurs. Les sarrasins! Mais sinon, c'est quoi des sarrasins? C'est une céréale. Ouais, bah, je sais pas, moi, c'est oh quoi là une sarrasin? Là. Un sarrasin ou une sarrasin alors? Mais. Tu dis un blé ou une blé? Un blé. Une blé. Du sarrasin comme du blé, tu vois, c'est pareil. Ok. Allez, vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Alors, assistant, tu vas nous couper ça, nous ouvrir ça, en attendant, on va passer à autre chose. Va pas te couper, assistant. Assistante, oui, aujourd'hui. Ouais, bah ça, on en avait déjà eu, c'est super bon. Aloe drink. À l'aloe vera, ouais, ouais. On avait eu des petites canettes sous forme de petites canettes et tout, c'est vachement litchi. Bon. Ouais. Bah, écoute, on va dire que c'est une box détox, remise en forme. C'est ça, ouais. Non, mais si, c'est vrai, hein. Ouais, ouais. Remise en forme après les fêtes, à part bon, les lasagnes, petit écart, voilà. Mais quoi que ça veut rien dire, parce que les lasagnes, on peut les faire aux légumes. Mais bon, je les ferai pas aux légumes, hein, je ne m'aventurerai pas à cela. Évidemment. N'est-ce pas? Non, mais ça se voit très frais, ça, par contre. Ça se voit très frais, mais la bouteille, elle est très fraîche. Ah, d'accord. Et comme j'ai pas bu à table. Ça y est, l'assistante a. Voilà. Oh, super. Ouh, merde. Attends là. Très efficace, assistante. Très efficace. Merci. Alors, ça, c'est du cacolac. Ouais? Tu connais pas? Je bois du cacolac, ça, c'est. Jean-Pierre, papa. Tu connais pas? Bah, je connais. En fait, je connais. C'est vieux, hein? C'est super vieux. Super vieux, le cacolac. Donc, Chinico en parlait dans sa chanson. Ouais, ouais. Un passement de jambes sur le lit, vieux plan. Un passement de jambes. Non, tu ne sais pas. Non, enfin, oui, je me souviens de cette chanson-là, mais je me souviens pas qui parlait du cacolac. Il dit, je bois du cacolac, ça c'est Jean-Pierre Papin. D'accord. Non. Il a peut-être fait la pub alors. Peut-être pour ça. Il en a fait un promo en tout cas dans sa chanson. Ouais. Écoute, je goûterai avec plaisir parce que je ne connaissais pas. Bah tu verras. Et bah maintenant je découvre ça. On peut pas l'ouvrir parce que là c'est avec une. Donc on va éviter. Je vais goûter ça du coup. Bah vas-y. Hop là. Aloe vera et litchi donc. Et litchi. J'espère que c'est pas des bulles. Mais non, c'est pas des bulles ça. C'est naturel, c'est pas. Alors. Ça a une odeur un petit peu. Space. À partir du moment où ça change d'ordinaire, c'est space avec. Non, c'est bon en fait. Bah oui. En plus, le litchi, ça doit apporter une bonne petite note sucrée. Ah, il y a des morceaux dedans. Bah oui, c'est des morceaux de litchi. Mmh. C'est bon. Merci de me faire goûter, de me proposer, c'est ouais, super gentil. Ça fait plaisir. Ouais. Ah, tu veux goûter, Doudouce? Ouais, je veux bien. Ah, tiens, merci pour ta spontanéité. T'as vu ça?
Alors je vais donner. Là il y a encore deux bouteilles, il y a encore une bouteille de Coca-Cola. Eh ben. On peut la mettre là. J'espère qu'on va aimer ça. J'espère. Moi j'ai dû goûter mais il y a des années. Tiens ma assistante, si tu peux nous ouvrir. C'est vachement bon. Ouais, t'as vu? À la vôtre, les copains. À la vôtre. Tiens, assistante, merci. On a des. Dulce de membrillo de primera. Elle qui rote. Ah. Alors, ça, c'est. On va regarder. Ouais. Du coup. Elle qui rote, c'est. La pâte de coin de toute une vie. Ouais, d'accord. Donc, en fait, c'est de la confiture. Voilà. De la confiture de coin. C'est donc le coin qui est. Un fruit. Oui. Voilà. Mais encore. Bah, c'est un fruit. Je te donne déjà une réponse. C'est une espèce de poire, en fait, le coin. Ah, bah, voilà. Ouais. Donc, ensuite, on a ça. Gotan. Ouais. Asian Natural Wok. Sauce soja sésame. Encore de la sauce soja. Super bon. C'est pas perdu. C'est pareil. Oh, bah, j'en doute. Moi, j'aime trop ça. Non, avec le poulet, c'est magnifique. Hein. En fait, il faisait tellement froid dehors que les produits sont frais. Bah oui, du coup. Donc on a des petits bonbons. Ah, des Werther's original. Ouais. C'est bon ça. Ça c'est pour moi. Ah, d'accord. Oui. Bon. On goûtera bon. À la fin. À la toute fin. On en met un de côté. Assistante, tu peux l'ouvrir maintenant. Ok. De rien. Elle va en manger 4 au passage. Alors du chocolat noir. Mais c'est pas perdu. C'est pas perdu. Oh, du brut en plus, en noisette, amande. Oh là là, tu vas kiffer de douce. Oh là là, mais c'est pour moi. Bah oui, pas de la chance. Noisette grillée et amande. Franchement, non, mais j'apprécie de plus en plus le noir. Figure-toi qu'avant, j'aimais pas trop ça. Ouais, ben, tu restes quand même l'arabe. N'est-ce pas? Mais il se mange pas. Mais ouais, si ça. Mais c'est pas pareil. Bien sûr que je me mange. Non, mais c'est vraiment. Non, surtout le Côte d'Or, il est particulièrement bon. J'aime beaucoup. Et on a. Pour terminer, des nouilles asiatiques. Des nouilles asiatiques. À quoi? C'est quoi bœuf? Teriyaki. Ramen instant noodle. Ouais, c'est au bœuf. Au bœuf. Donc, okay. C'est certainement pas au bœuf. Halalilou. Non, mais en même temps. Mais enfin, bon. Je sais pas. Je sais pas, cette marque-là, c'est peut-être halal. Faut regarder. Mire, monsieur Mine. Monsieur Mine, ouais. Coréenne XL. Hein. On a quand même la taille XL. Ah ouais, j'ai regardé les ingrédients. Ouais. Huile de palme raffinée, émulsifiée, nanana, poudre, thé vert. En tout cas, belle petite box. Moi, je suis contente de tout ce qu'on a eu. C'est vraiment sympa. C'est plutôt sympathique. Ouais, ouais. Et puis, bon, il y a des petits trucs asiatiques. Je pense aussi que c'est par rapport aux nouvelles en chinois. Ah, c'est possible, ouais. C'est bientôt? Oui. C'est quand? C'est fin janvier. La date exacte, je saurais te dire, mais je sais que c'est mon année parce que c'est l'année du coq. Ouais. Ouais. Bah oui, forcément. Du coup, c'est mon année. Parce que moi, je suis coq. Alors, je te laisse choisir, Doudou. Choix cornélien. Gramme, piqué, piqué, collé, gramme, bourré, bourré, ratatam, amstram, gramme. Je fais comme. Comme Negan. Negan, sauf que je le fais pas en anglais. Voilà. Et puis que je te défonce pas la tronche. Bah, je vais prendre le plus gros. Bah, voilà. Donc. Voilà, c'est bon. C'est bon. Oh, ouais. Et ben écoutez, le reste est pour moi. Cet unboxing se termine sur un. Non, non, voilà, c'était plutôt sympathique. Désolé, on appréciait un petit peu le mouvement parce qu'il n'y avait plus beaucoup de batterie sur l'appareil. Aussi. Donc on s'est dit, vas-y, on va faire vite. Mais j'espère en tout cas que. Du coup, c'est difficile de parler avec ça en même temps. Va pas l'avaler d'un coup. Non, c'est pas possible. Ça ferait mal. Donc du coup, on se retrouve avec le smartphone, c'est facile de bien ça, parce que mon appareil photo n'avait plus de batterie. Donc comme je vous le disais, donc il n'y avait plus beaucoup de batterie dans mon appareil. Donc, du coup, il a coupé. Ça tombera pas plus bas. Et donc voilà, donc on était un petit peu accéléré. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Merci Mrs. Sam d'avoir accompagné, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu penses du coup de cette box? Mais moi, j'en suis très satisfaite, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ouais. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Il y a un peu de tout. Il y a du salé, du sucré. Il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on connaît pas. Donc, des choses qu'on connaît et qu'on aime. Parce que ben, moi, je sais que voilà, ce genre de choses, j'aime beaucoup et c'est pas donné. Donc, ça fait plaisir de les recevoir dans une box. Le pain, ben, je suis curieuse de savoir un petit peu ce que ça va donner parce qu'il a l'air plutôt bon. Moi, j'aime beaucoup quand il y a des morceaux dedans, de céréales, etc. Le chocolat, pareil. On a des bons produits, de bonnes marques. Voilà, plutôt sympa, ça je vais découvrir, mais bon, déjà je sais que je vais aimer. Voilà.
Et puis notre petit cacolac. La boisson ad hoc. À siroter devant un bon petit film, ma foi, ça peut être sympa. Un bon clip de doc gynéco. Pourquoi pas? Non, mais tu vas pas boire ça pendant un clip. Bah, qu'un clip de doc gynéco. Mais non, c'est nul. Ah, d'accord. Un film. D'accord. Devant Guyane. Ouais, Guyane ce soir. D'ailleurs, on fait de la pub au passage. Exactement. Donc voilà, donc sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe. Portez-vous bien et à très vite. Et merci à l'assistante. Ouais, super assistante voilà. D'ailleurs, qui nous a beaucoup aidé aujourd'hui. Si, si. Ciao les copains. Salut à tous. Au revoir.